Mesdames et messieurs, bonsoir. Je suis Edouard Laventure Ernest Moloscott. Aujourd'hui, c'est bien le 2 novembre 2019. En pile information a fait actualité. N'a pas rentré direct, surtout dans la Russie. Côté que le président russe, M. Vladimir Poutine, t'a fait une rencontre avec plusieurs représentants de l'Afrique. Côté que tu as discuté, surtout sous problème Afrique-là, et qui ça qui est capable de bailler comme cadeau à l'Afrique. D'après président russe-là, M. Vladimir Poutine, il dit que dans l'association qui existait au moins 54 nations de l'Afrique qui mettaient tête ensemble pour être capable de jouer un changement. D'après le président russe, M. Vladimir Poutine, qui était parlé jeudi, il fait qu'on est que, après le travail, ont unification de l'Afrique. Moi-même, personnellement, à savoir Vladimir Poutine, m'a fait le nécessaire pour que nous soyons capables d'encadrer tout pays de l'Afrique. Dans ce sens, moi-même, m'a fait aide militaire, côté que de jeunes Africains, que m'a fait accès pour être capable d'entraîner, surtout de l'Afrique, et que la Russie a aidé dans ce sens. Li coûte moins au moins 20 milliards de dollars de dépenses, surtout pour tout pays ça yo, que moi-même moi prêt pour me capable aider yo. D'après président, la Russie, M. Vladimir Poutine, il dit m'a fait, c'est parce que moi gagne ça qui relo un cadeau de côté l'Afrique. Mais ça me capable constater, jeunes Africains yo, culture yo croit la donne et tout encadrement capable bailler ma bailli. Ça fait un plaisir, c'est parce que dans l'ouverture rencontre ça, eh bien nous te ouais que l'Afrique en question te mette culture li en évidence. Et moi-même, moi bat bravo pour ça. Et n'importe aide que les membres de l'Afrique ont besoin, c'est certain que moi-même m'a bailli. Dans le même domaine ça, d'après président pays russe là, M. Vladimir Poutine, il dit que si l'Afrique fait même genre coopérer pour que mon seul cob la bon pour yo. Mais moi-même, moi rassurer les membres de l'Afrique que nous pas perdu. Et face à ça que moi-même, je vais établir, dans le Congo, moi-même, comme un président russe, moi été établi qu'il y a là quelques hôpitaux. Je vais faire dans plusieurs États, normalement en Afrique, pour que chaque côté soit capable de gagner un hôpital, pour que tout le monde soit capable de prendre soin. Et il dit que, d'après le président Vladimir Poutine, qui t'a parlé aujourd'hui, il dit que rêve moi, c'est aider à l'Afrique changer. Il dit que il y a une bagaille qui concernait, que ça fait que l'imander à jeunes pour être capable d'intégrer dans l'armée, et l'armée russe là a aidé yo. C'est parce que il y a un pile action terroriste qui a fait. Et lui-même, il dit seul moyen pour que l'Afrique sorte d'un problème ça, c'est pour empêcher action terroriste qui a fait là. Il y a des zones, côté monsieur a fait des actions pas bon, côté Aïsicio a essayé de documenter yo, et il y a des monde qui a tué, surtout de jeunes Africains qui entraînent en action explosive. D'après président Vladimir Poutine, il n'est pas normal, il décide pour l'encadrer. Il dit les 54 pays qui chita aujourd'hui ensemble, eh bien, il dit que son succès est son succès qu'après le poté vraiment bonheur pour le peuple africain. Je dis à 100 pile moun qui bat bravo. D'après le président américain, M. Donald Trump, il n'est pas fin content avec la réaction du président Vladimir Poutine, qui qu'on y a là, qui fait chemin de l'Afrique. Côté que président Donald Trump te connaît que c'est seul lui-même qui était capable d'avoir influence sur l'Afrique. Et d'après dernière information qui sortit, Vladimir Poutine annonçait que lui encadre l'Afrique, l'Afrique promet lui qu'il a continué à marcher avec elle. Il dit à jeunes Africains, pas fatiguer nous, pas de monde qui est capable de battre nos pressions. Je dis encore, le président Vladimir Poutine, après toute sa fin fait à là, c'était une belle cérémonie. Demain, si de veut, il a réuni encore, côté que Africains ont pris le chita ensemble, les 54 pays ont chita à table. D'après président Vladimir Poutine, il a invité tout l'autre pays de l'Afrique qui t'a décidé d'intégrer dans l'équipe là, yo bienvenue.
et il dit que il est bien content pour le sommet ça qui fait là là, et bien ça montrait que un changement qui prend le fait de l'Afrique. Il dit pas paraître pour plus bon, mais son test qui fait qui réalisé parce que peuple en Afrique là, il trouvait que moi-même, moi sincère à l'égard de moi-même, et bien il trouvait tout que bon avantage pour développer. Et moi-même, de côté PAM, m'a fait tout ça qui est nécessaire pour aider le peuple africain. Hein. La déclaration faite aujourd'hui par le président africain, le président Vladimir Poutine, lui-même de la Russie, qui fait déclaration aujourd'hui à une rencontre qu'il a fait avec les 54 pays de l'Afrique dans un sommet qui est réalisé aujourd'hui et qui ont succès sans pareil. Yo te fait vraiment normalement dans la Russie en pile moun content Jean que monsieur recevra africain yo c'est presque la majorité là dos ce sont des présidents premiers ministres et autres et il saluait surtout la rencontre de ces présidents et des autorités africaines qui ont même qui dit yo de bonnes mains et yo content la façon que le président russe monsieur Vladimir Poutine recevra yo. Je dis encore, n'a pas tombé dans l'autre information, côté que les États-Unis d'Amérique concernés de problèmes, yo pral impeach président Donald Trump. Je dis à président américain Donald Trump font l'autre déclaration. L'été dans Mississippi hier soir, président américain, M. Donald Trump, que m'te gué chance quand même, prend tant moins pour me tendre, pour me garder, pour me suivre visage président américain. Le président américain, M. Donald Trump, déclarait que Mme Pelosi, par contre, ça l'a fait. Pour Mme, ça a choisi, c'est moi-même, Donald Trump, pour la emmerder, pour la ennuyer, pour que il fait le devoir pour dire que la impeach moi. Moins qu'on est que peuple américain avait, déclaration président américain Donald Trump. Parmi tout président qui passait aux États-Unis, moins c'est président qui plus bon. Déclaration président Donald Trump hier dans Mississippi. Il dit madame ça a bien pour le payer. Ça qu'elle décide de faire non. Moins qu'on est Américain aurait même en pile. M'a pédil jodi à tout. Madame Pelosi a pransé. Ou pas joué avec un monde qui gagne l'armée des dol. Président Donald Trump déclaré hier soir dans Mississippi. Il dit Madame Pelosi range quoi? Rappelons très bien, si je dis y'a, j'ai mon bataille qui a fait, et que moi arrivé, crasé, à Abu Baghdadi, hier soir, le répéter encore, dans Mississippi. Il dit, qui l'autre président qui a fait ça? Il relève simplement Donald Trump. Président Donald Trump déclaré, m'a dit à Madame Pelosi, posez-vous. Ou pas gain droit à traiter des dossiers, dit que, faut y avoir une pitch, moi, oui, me connais. Mais ça n'a pas passé. Président Donald Trump qui t'a parlé hier soir. Il dit, ou pas être Baghdadi, Abu Baghdadi t'a pensé. C'est prap, 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 vous voyez, monsieur, aller. Pour le président américain, son fierté. Comment que Abu Baghdadi mourit. Il dit que moi, content de côté l'armée américaine. Je suis fier de soldats. Je suis fier de présence. Je suis Mississippi. Fier de tête panou.
L'elfin fait déclaration ça. Et puis, quand il y a là, il y a chanté hymne national États-Unis. C'est un gros moment. Et le président dit que pas de rien qui a passé. Il dit, Madame Pelosi, moi, je crois dans les républicains. Moi-même, Donald Trump, pas de rien qui a privé. Alors, c'est pour montrer que croyance président américain Donald Trump que le gagnait à l'égard de sénateurs républicains. Président américain était très menaçant hier soir à l'égard de Madame Pelosi. Et président Jean le parlait. Il n'y a pas gagné le pral parler. Il n'y a pas gagné le pral dit. Comme autorité dit, il y a pas une pitch li. Yo met dossier sous table. Il dit moi-même m'a paraît pour me garder ça fait un peu publiquement il a parlé. Mais n'a pas dit que le président joue une stratégie. Ils font joke avec le peuple là. L'a sourire. Pas de l'a sourire et puis il bat en bas en bas. Et puis qu'il y a là chaque temps l'a parlé il dit mon yo. Nous pensons que madame Pelosi capable river haut pour ta cause que une pitch moyen et puis sympathisant lui a dit « Oh non !» Alors, le président américain, M. Donald Trump, en pile et spécialiste, pensait que le président est inquiet. S'il n'est pas inquiet, il n'est pas hier soir, il prend près de 20-25 minutes à parler de Mme Pelosi, il prend dossier Mme Pelosi, il prend de impeachment là, pour lui-même, pour le capable vraiment faire actualité en Mississippi. Il dit Mounio que dans le jour pral vini là, il pral voyager à l'autre côté. Il dit que c'est Kounia Madame Pelosi pral wè qui est-ce que lié. Parce que l'obligé mette griffe li de yon. Il dit c'est comme ça que Madame Pelosi vlel. Bon, moi-même, pral entrer dans la bataille là. Le président parle très ferme hier soir que le pape Madame Pelosi, il a entré dans la bataille là. Il y a des accusations que le pral mette de yon. Il y a plusieurs démocrates qui, dans le moment actuel que n'a pas lié là, qui commençaient à préparer des documents. Des dossiers sur le président américain Donald Trump, sous parcours, sous façon, sous réaction, et ont déclaré que le président américain l'a pris un peu difficile pour le sortir dans le dossier impeachment. Gagné des vidéos qui ont été secrètement dans le jour pral vignola, qui ont pris publié sur le président américain M. Donald Trump, sous accord, sous saleté parlé dans le téléphone. Et réaction sous affaire la Russie. Tout dossier sa yo, yo pral de yo d'après dernière information que nous prenons. N'a pe invité auditeur rete là. En nous tombe qu'on y a là, nan pays qui la France. Côté que président américain, M. Donald Trump, décide menacer président français, M. Macron. Emmanuel Macron, côté que le dit que président Emmanuel Macron, M. Aogan, parce que M. passant en bas, il veut entrer dans le business américain face à la Chine. D'après le président américain, il dit qu'on sait que Emmanuel Macron gagne trop de bagailles pour réfléchir pour que M. c'est moi-même l'a ennuyé, l'a entré en bas dans le business, l'a lié pour parler avec la Chine. Et si M. veut entrer dans le business, n'importe comment, moi-même, je prends le bal, on travaille pour le faire parce que M. gagne l'air, pas grand pile travail pour le faire et puis c'est moi-même, M. a occupé. De côté Bachar el-Assad, il est content, chaîne d'union qui fait entre l'Afrique. Et président russe Vladimir Poutine. Il dit que nous prenons entente parce que gagne des étudiants, de jeunes Africains qui décidaient de prendre des cours, des bourses que pays la Russie a bail et jeunes Sayo, il y a bail un frais, il y a bail un logement pour être capable de rester, venir étudier. D'après président russe M. Vladimir Poutine, en pile là-dedans, jeunes Africains Sayo, ils prennent étudier la médecine. Plusieurs là-dedans, pral gagnant qui capable de venir docteur demain pour aider le pays. D'après le président russe Vladimir Poutine, tout Africain sa yo cap recevoir formation et études dans le pays la Russie, dès que vous fini, normalement la Russie dit que la préparé pour retourner la caillou. Yo pas gagnant pour rester dans la Russie. Yo pas ba au papier la Russie. Y a bien pour retourner dans le pays yo pour y aller étudier après étude là, faire expérience. Travail pour aider pays. Il y a plusieurs autres pays en Afrique, Afrique centrale, et il y a plusieurs autres zones
que le président russe là dit que l'Afrique, eh bien, jeune, ça très intelligent. Il pensait que face à la technologie qui a avancé, parce que l'Afrique, où il y a là, il y a une constatation que le président russe l'a fait, Vladimir Poutine, c'est que jeunes Africains, ils ont commencé à construire des machines. Ils ont arrivé ordinateur et léopard. Ils ont un développement qui a fait là, une technologie qui est très avancée. D'après le président russe, Vladimir Poutine, il dit que c'est le moment pour que les jeunes Africains, que mémoire aux vierges, pour continuer à mettre connaissance sur eux. Et demain, qui sait que l'Afrique qui arrive dans une phase, que un pile de monde qui arrive dans le sens, vient nous repenser. C'est pour nous dire à auditeurs et téléspectateurs qui ont suivi là, n'a pas suivre les grands dossiers de l'actualité sur votre chaîne de télévision HPM Haitian Public Media. N'a pas encore une fois dit à auditeurs, restez branchés HPM parce que gagne des informations que hier nous t'ai apprendre qui t'est passé surtout dans un pays que nous-mêmes nous connaissons très bien qui sorti pour continuer faire actualité à. C'est le président Corée du Nord là qui dit que l'a travail là pour voir comment il est capable de mettre à terre président Corée du Sud là parce que monsieur entré secrètement en pour parler avec Donald Trump sans que le pat mette président Corée du Nord là au courant. Dans ce sens ça, président Corée du Nord là déclaré que président Corée du Sud là monsieur traite le pape Kakebel sous pouvoir, l'a fait tout ça que nécessaire pour le chavirer, monsieur. Mais pas de tout ça. N'a dit que n'a tombé dans la Chine, côté que l'autorité Hong Kong, il a dit au même, il n'a pas prêté comme ça. Eh bien, ça a passé aux jeunes, il a décidé pour manifester, il a même, il a pris une solution et on cessé le feu dans le pays Hong Kong. N'a pas suivi aussi ça et nous assure auditeur. N'a pas venu avec d'autres informations pour nous. Non, Pam, c'est Hydro l'aventurier Ernest Moloscott. Sur la table de contrôle, c'est bien Juan Gonzalez. Assisté par notre collaborateur Abner Jolin Diabnadji. Nous avons tombé en Haïti, côté que nous avons fait un spécial sur la mort de Néhémy Joseph, que jeudi à la funéraire a chanté dans Mirbalet, côté que journaliste nous, correspondant nous, qui était sur place. Là, côté événement a fait pour te porter information pour nous en exclusivité. Ça veut dire que nous demandons aux auditeurs d'être là, nous pourrons tomber dans l'information locale. Merci.